présenter les bébelles de Daniel donne soif. Je vous présente maintenant les belles bières de Daniel. Bonjour les amis des belles bières de Daniel. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle bière à vous faire découvrir. Et je suis avec mon invité, mon frère Mathieu. Bonjour. C'est ça, hier je suis allé à la ferme Guyenne. C'est ça? Gouillon. Je suis allé à la ferme Gouillon avec mes petites nièces. On est allé voir des animaux. C'était vraiment le fun. C'est vraiment une vraie grosse ferme. Puis j'ai été dans... Ils vendent plein de choses, des produits du terroir. Et il y avait aussi des bières de microbrasserie. J'en ai découvert une que ça fait longtemps que je veux essayer. C'est la bière que voici. C'est ici. On la voit à l'étiquette. La autre chose de Unibrew. Et j'ai demandé à mon frère si ça y tentait de venir y goûter. Puis, il m'a dit oui. Donc, on va y goûter. Bon, je présente ici la bouteille de Unibrew, la autre chose, IPA. On va goûter à ça, mon frère. Donc, l'opener de... Bon. Fait que c'est ça, ça faisait longtemps que je voulais essayer ça. C'est une bière à 6% d'alcool, une bière forte. Une IPA. Ouais. À la fin. On va montrer si ça fait une belle petite mousse. Une IPA à la pêche. C'est zic. On va donner nos impressions. Ouais, elle a l'air très bonne celle-là. Ça fait longtemps que. J'avais entendu dire qu'elle en sortait une, là. Elle est vraiment. Elle est vraiment écoutée. Jen? Ouais, on goûte vraiment. La pêche? Ouais, ça goûte vraiment la pêche. Fait que chapeau Unibrew. C'est vraiment, vraiment bon. Une belle petite IPA, non filtrée. Mm-hmm. C'est délicieux. Ouais. Non filtrée, non refermentée. Chapeau Unibrew, vraiment là. Ça tombe dans une de mes préférées. Fait que sur ce, moi et mon frère, nous vous disons à la bonne vôtre. À la bonne vôtre. Et si vous buvez des bières, buvez modérément. Merci d'avoir visionné ce vidéo. Si ce vidéo vous a donné soif, ajoutez un pouce bleu et prenez une bonne bière jusqu'à la prochaine fois que je vous présenterai d'autres belles bières de Daniel.